Et coucou. Bon, bah écoutez, regardez ce que j'ai reçu aujourd'hui. Regardez-moi ça. Un beau carton, un beau colis de la boutique Mataes Alchemia. Vous savez que j'aime pas parrainage pour vous avec cette boutique. Donc, je vais vous inviter à découvrir en même temps que moi ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, ça va mettre du temps pour l'ouvrir parce que vous savez qu'elle adore bien fermer, bien emballer. Donc, ben après, vous pouvez avancer à la vidéo si pour vous c'est trop long. En tout cas, parce que je ne sais pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, c'est la grande découverte avec vous. Donc, si vous voulez bénéficier du code promo pour commander chez cette adorable personne sur Etsy, je vous mets en dessous la vidéo l'adresse du site, le code promo de 10%. Ne l'oubliez pas. Voilà, c'est toujours très bien emballé, hein, comme d'hab. Je ne suis jamais déçue de la boutique Mataes. Jamais, jamais, jamais. Je la remercie pour sa confiance qu'elle m'envoie tout le temps, encore et encore. Et j'aime beaucoup travailler avec elle. Alors, bon. Allons-y. Un premier paquet. Alors, je mets tout à côté et après, j'ouvre pour enlever le carton. Un petit mot. Donc, j'en ai partout. Oh, oh. Mais vous savez quoi? Mais j'ai l'impression d'être une enfant devant un sapin de Noël. Je vous le dis, je vous le redis et je vais vous le dire à chaque fois. C'est juste énorme. J'ai presque envie d'en pleurer, quoi. Tellement je suis touchée par tout ça. Et vous savez, en plus aujourd'hui, je traverse une période, une journée, enfin, c'est une longue période, un peu compliquée pour moi. Et c'est une personne qui était là, qui a su... à qui j'ai dit que je traversais une période pas facile et qui m'a envoyé, qui quand elle m'a recontactée, elle m'en a touché un mot et ça m'a drôlement émue en fait, qu'elle se souvienne que j'étais dans une période un petit peu compliquée. Donc, oh là 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 là, regardez ça. Donc, des personnes au grand cœur comme ça. Ben, en fait, je crois que j'en connais, hein. Mais souvent, c'est pas des inconnus, vous voyez. Et là, en fait, on se connaît de par mail, par message. Mais... je suis ravie du métier que je fais, de rencontrer des belles personnes comme ça. Je suis ravie de rencontrer des belles personnes sur mes sites, sur mes réseaux, des personnes qui échangent avec moi. Et actuellement, je suis sur un réseau, sur Insta, et je rencontre des gens fabuleux. Alors, je regarde rien oublier parce que ça m'embêterait de perdre quelque chose là-dedans. Alors je vais tout enlever, comme ça je suis sûre. Hop. J'espère que vous êtes autant impatient que moi de déballer tout ça. Voilà, je crois qu'on a tout. Déjà pas mal, hein, je vous le dis.
c'est donc aujourd'hui c'est une journée très compliquée pour moi de par des soucis perso, hein. Et du coup ben voilà, ce cadeau qui arrive aujourd'hui, ben c'est juste pour moi pour me rappeler que la vie n'est pas toujours que difficultés et que il y a des belles choses. Il y a des belles choses, il y a des belles personnes, que là-haut la loi divine, la justice divine est belle, pense à moi. Et voilà. Moi, je vous jure, je vais pleurer si ça continue. Alors, on va ouvrir ça. Regardez-moi ces petits pochons dans un pochon. Alors, on a un grand pochon rouge, Bordeaux, avec des petites surprises. Allez, on va commencer par là. Waouh! Regarde, je sais pas si vous y voyez bien, j'ai l'impression que non. Je vais baisser un petit peu la luminosité. Voilà, c'est mieux, je pense. Regardez-moi cette merveille. Un truc de dingue. Je ne sais même pas comment. Ouais. C'est la couleur que j'adore. On dirait qu'elle sait tout. Je sais pas. J'ai dû avoir une vie antérieure avec cette personne, je pense. C'est pas possible autrement. Alors, tu veux pas, tu t'es coincé. Alors, attends. On va te décoincer doucement. Hop. Voilà. Regardez-moi ce pendule. Je ne sais pas si vous y voyez bien. Hop. Superbe. Superbe, superbe, superbe. Un grand merci. Alors, après. Non mais... Regardez-moi cette petite merveille aussi. Moi qui suis à fond dans le violet, l'améthyste. Splendide. Splendide. Regardez-moi ça. Une vraie merveille. C'est... tellement gratitude pour tout ça, gratitude à l'univers, à tous mes guides, tous mes anges qui veillent sur moi, gratitude à cette personne qui est juste un amour. Du quartz rose. J'espère que vous y voyez bien, c'est pas évident. Avec les cristaux, sept cristaux qui parlent des chakras. Alors, le petit mot. Je sais pas si je vous le lis ou pas parce que j'ai peur de pleurer pendant que je vais vous le lire. Bon, en gros, il y a des articles qu'elle n'a pas. En tout cas, c'est un très beau cadeau et elle espère me trouver en pleine forme. Donc, vous voyez, quand je vous dis, c'est quelqu'un qui sait aussi. Garder en tête les gens qui ont besoin actuellement, qui
Elle a toujours un petit mot gentil, elle a toujours un geste fabuleux. Mais en fait, elle me dit que voilà, même si c'est des trucs que peut-être vous ne trouverez pas vous en stock sur sa boutique, c'était pour le plaisir d'offrir à une belle personne qui fait ressentir toute sa bienveillance dans ses vidéos. Pour ce solstice d'été qui s'annonce, bien des choses avec mes meilleures pensées pour toi et ta fille. Bon, je crois que je vais pleurer, ça y est. Bien à toi, gros bisous, Sylvie. Bon, Sylvie, tu as réussi à me faire couler mes petites larmes. Waouh. Je gratifie tout ça dans mon améthyste ici pour remercier Sylvie du fond du cœur que mes énergies t'accompagnent d'amour et de bienveillance. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas, Sylvie, je serai là. Voilà. Allez, on continue parce que sinon, ça va être les grandes eaux. Et là, j'ai juste la petite larme qui coule. J'arrive à gérer. Un beau petit paquet, vous voyez comme elle adore faire des beaux paquets, elle adore faire plaisir. Si vous commandez chez elle, vous ne serez pas déçu, je vous le garantis. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est voilà. Commandez vos encens, commandez, je sais pas moi, vos pendules. Il y a tellement de choses dans sa boutique à découvrir, des oracles. Des encens en herbe, des encens en résine, des encens en bâton, des encens en cône, des pendules de toutes formes, de toutes. C'est la caverne d'Ali Baba, quoi. Et en plus, il y a beaucoup de nouveautés, souvent. Il n'y a pas. J'essaie toujours d'être délicate dans l'ouverture de mes choses. Mais au bout d'un moment, ça se déchire. Alors. Est-ce que j'ai mon petit ciseau? Quelque part. Non? Qu'est-ce que j'ai fait de mon petit ciseau? Bon, le petit ciseau a disparu. Vous voyez, franchement, ça risque pas de s'abîmer quand elle vous envoie quelque chose. Tout est protégé plus que ça. Alors que des fois, on reçoit des colis, bon, ça m'est arrivé, hein, des trucs fragiles uniquement dans un petit plastique comme ça. Et tiens bon la route, hein, ça te va tant mieux, ça te va pas, c'est pareil. Hein. D'ailleurs, j'ai reçu des oracles abîmés, ça m'est déjà arrivé. Alors, très souvent, ce n'est pas des oracles en auto-édition. Souvent, ils font très, très, très attention. Oh, mon Dieu. Gardez-moi ça, cette orgonite. Je ne sais pas si vous y voyez bien, voilà, la spirale. Rempli de cristaux. C'est splendide. Voyez, elle a énormément de choses. Elle a la sauge blanche. En sachet, et regardez, c'est pas de la poudre, hein. Comme des fois on commande, moi ça m'est arrivé plein de fois, vous commandez de la sauge et elle est toute écrasée, toute broyée, mais en même temps elle la protège tellement qu'il ne peut rien lui arriver, quoi. Voilà, malgré le gros carton et que ça aurait pu être tout écrasé, ben non. Donc il y a la sauge comme ça et il y a la sauge, vous allez voir comme c'est beau. Un bâton de fumigation
Alors, on a la sauge blanche et fleurs pour avoir des vibrations positives. Je vais essayer de rien abîmer. Sublime, 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 sublime. Voilà. Et on a la sauge blanche et foin d'odeur. Pour ceux qui travaillent en chamanisme, le foin d'odeur très important. Vous voyez la tresse ici? Ça, c'est une tresse de foin d'odeur. C'est très très beau. Très très beau, très très beau. Alors, on continue. J'abîme rien. Un beau petit cahier en cuir, si je me trompe pas. Ouais, c'est du cuir. Alors, vous savez, celui-ci, il va me servir à mettre tous mes vœux. Toutes les choses importantes que j'ai à dire, à souhaiter, à mettre dans mon cœur, des souvenirs comme aujourd'hui par exemple, que j'ai reçu ce magnifique colis. Regardez-moi ça. Et c'est du vrai cuir, hein. C'est pas de la gnognotte. Je ne sais pas si vous y voyez bien, mais voilà, hein, c'est artisanal, d'accord. C'est très très beau. Très 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 beau. Sylvie, tu es un ange. Tu es mon ange en fait. Aujourd'hui, tu es mon ange, tombé du ciel, je sais pas comment. Et fatalité, tu m'avais dit que je recevrais un colis, mais il arrive aujourd'hui, jour où, où ça me réchauffe le cœur, quoi. Je crois qu'elle a compris que j'adorais. Elle est énorme quand même. Je crois qu'elle a compris quand je vous disais que j'adorais l'ensemble de la lune. Voilà, il est là encore et encore. J'en ai deux boîtes. Vous voyez, elle est attentive à tout. C'est un beau petit paquet encore. Et c'est que des beaux emballages. C'est elle essaye d'assembler les couleurs assorties quand elle peut pour ses petits sachets, pour ses petites pochettes. C'est ouais, que des petites attentions qui font que ça réchauffe le cœur, quoi. Moi, je suis désolée quand je reçois un cadeau, un colis, peu importe, que j'ai commandé, que j'ai payé aussi. En fait, c'est des petits trucs, je suis désolée, j'y fais énormément attention. Quand je reçois des créateurs avec lesquels je travaille, des colis super bien emballés, on voit qu'ils se donnent du mal alors que leur oracle se sont saignés pour l'avoir, pour arriver à le faire imprimer et tout. Et là, je sais que Sylvie, c'est une petite boutique, c'est pas rien à voir avec Amazon ou une grosse boutique. Et quand je vois le mal qu'elle se donne... Mais c'est voilà, après le papier, on a le petit, la petite protection. Enfin voilà, je me dis, bêtard, c'est des gens qui gagnent 10 fois moins d'argent et qui sont tout dans l'amour, dans la bienveillance. Et moi, c'est pour ça que j'ai envie de les faire connaître. C'est pour ça que je fais ça. C'est pour ça que je partage ces vidéos. C'est pour ça que je cherche des partenaires à faire connaître. Pour des gens qui se lancent, des gens qui débutent. Des gens qui ont besoin d'être connus parce qu'ils font des choses extraordinaires. Et qu'en fait, c'est juste pas possible de laisser ces gens dans l'ombre. Dans l'ombre, vous m'avez compris. Pas dans l'ombre, côté obscur. Dans l'ombre, pas assez vu. Voilà. C'est juste
Ben, depuis que j'en voulais un, le voilà. Un galet de sélénite, quoi. À chaque fois, je disais un jour, peut-être. Je sais pas si vous y voyez bien. C'est pas. Regardez-moi ça, c'est triste. Voilà, s'il y a des gens qui sont là et qui regardent cette vidéo et qui sont créateurs ou qui ont des petites boutiques et qui ont envie de se faire découvrir, ben, n'hésitez pas à m'envoyer vos produits. Je serai ravie, vraiment ravie de partager cette expérience avec vous, ce moment de partage. Et pour moi, ça me réchauffe le cœur, quoi. Il y a des gens qui ont vraiment envie, qui aiment leur travail et qui méritent. Voilà. Il y a des gens qui font ça juste pour gagner leur vie et qui en fait en ont rien à taper, excusez-moi. Moi, ça m'est arrivé d'aller dans des magasins ésotériques où les gens ne comprennent absolument rien. C'est juste que c'est la mode, ils te disent. Et que et qu'en fait, ben, ils font ça parce qu'ils savent que ça va marcher. Mais ça marche en fait, moi, par exemple, dans ma ville. Il y a un magasin, il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un, c'est une boutique ésotérique. Et je suis désolée, je ne peux pas travailler avec eux. Je ne peux pas aller leur acheter quoi que ce soit. Moi, quand je rentre dans une boutique, il y a encore plus de bien-être, de litho, de tout ce qui est spirituel. J'ai besoin même de livres. J'ai besoin que les gens soient bienveillants, j'ai besoin que les gens soient doux, nous accompagnent, nous conseillent. On voit que ça leur fait vraiment plaisir d'être là, quoi. Et cette boutique, c'est triste, hein, parce qu'en plus, du coup, moi, c'est sur place et tout, et ça pourrait être très simple. Et ben, je peux pas. Je peux pas, voilà. Je refuse de donner mon argent à des personnes comme ça. Et mon argent, je le donne à d'autres personnes qui méritent. Alors, quand je peux. Alors. Je ne vais pas te déchirer, mais je crois que je ne vais pas y arriver. Alors, on y met un petit paquet. Ah, il y a un petit mot dessus. Porte en sang en pierre pour bâtonner. Vous n'y voyez pas parce que c'est écrit. Une couleur très claire. Vous voyez, même ça, les petits mots, ils sont écrits avec un stylo de couleur. Je sais pas. Ah ben celui-là, il va se faire déchirer complètement. Hein, dis donc. Ça sent très bon. Ah, c'est peut-être l'ensemble de la livre. Parce que j'ai l'ensemble de Raphaël là, mais c'est pas lui qui sent ça. Hop. Oh. Sublime. Sublime. Regardez-moi ça. Vous mettez vos encens ici, je vais vous montrer. Attendez, bougez pas. Je vous fais la démo de suite. De suite. Donc, vous avez trois trous. Vous pouvez en mettre trois. Direct, je vais lui trouver une place. Sublime. À toutes mes amies qui sont dans tout ce qui est spirituel, si vous avez besoin, et je sais que vous êtes nombreuses à regarder mes vidéos, ben, magnifique. Un bracelet en larimar. C'est un beau cadeau, très très beau cadeau. Parce que le larimar est une pierre. Et voilà, le petit sachet bleu hein, assorti, bien sûr. Et un bracelet pour les chakras. Améthyste et 7 chakras.
avec ça, si je suis pas armée, dis donc, je le suis plus. Hein. Et là, pareil, ben là, comme il y a plus d'améthyste, elle a mis le petit sac violet. Vous voyez, c'est je sais pas. Hein. Allez, on en a encore. Hein. Oupla, 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 la fille qui tombe. On se calme. Regardez-moi ça pour vos prochains messages. L'archange Gabriel de Dorine Vertu. Alors l'archange Gabriel, c'est un archange que je découvre doucement, doucement. Et c'est vrai que c'est pour ça que je suis très interpellée par cet oracle. Parce que je sais qu'il a des messages pour moi actuels. Non mais regardez-moi tout ça encore. Non mais c'est pas possible. Et même à Noël... Je vous promets que je ne suis pas autant heureuse. Voilà. Sylvie, tu as refait ma journée, mon mois, ma semaine, mon année. un éteignoir à bougie. Vous connaissez ça? Hop, vous mettez comme ça. Alors, je ne vais pas le faire, ça va l'éteindre. Mais vous mettez dessus et hop, ça étouffe et du coup, ça éteint. Et franchement... Mais solide le truc. Hein. Vous voulez taper sur quelqu'un, c'est pas du toc. Hein. Parce que je vais vous expliquer que j'en ai eu un, c'est de la gnognotte à côté. Hein. C'est un peu le bois, le waya, du coup, mon bureau, mais c'est pas grave, on s'en fout. C'est vraiment pour la bonne cause. Hein. Donc, encore et encore des protections. Alors, c'était dans un truc, dans une protection. Ensuite, vous avez les petites pochettes. Ensuite, c'est encore dans une protection. Et encore dans un beau petit papier. D'Uruguay, je ne sais pas comment on dit exactement. Elle est splendide. Regardez sa couleur. Vous savez, je vais vous expliquer quelque chose pour ceux qui ne connaissent pas. Une améthyste, au plus elle est foncée, au plus elle dégage en énergie. Alors, et ben là, je peux vous dire qu'elle envoie du lourd. Est-ce que j'en ai une là? Par exemple, j'en ai une ici. Vous voyez la différence? Alors, elle a des vertus, hein, l'améthyste claire, il n'y a pas de souci. Elle a beaucoup de vertus aussi. Mais quand j'avais acheté justement ma marmite, on appelle ça une marmite ici, le monsieur m'expliquait, le lithothérapeute m'expliquait qu'en fait, au plus elles sont foncées, au plus elles sont puissantes. Et alors là, elle est, on pourrait presque croire quand elle est comme ça qu'elle est noire. Vous avez vu ça? Cette brillance. Pouh, là, 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 là. Alors, Sylvie, sache que je vais fêter l'ITA. Le solstice, pour ceux qui ne connaissent pas. Et que tu feras partie du voyage. Tu feras partie intégrante du voyage ce soir-là.
sache-le. Et je t'enverrai beaucoup, beaucoup, beaucoup de belles ondes, beaucoup d'amour, de gratitude pour tout ça. Mais je sais que là-haut, ils vont veiller à ce que cela te revienne amplement. Alors, non ben, dis donc, toi tu fais de la résistance, petit paquet. Qu'est-ce qu'elle nous a mis là-dedans qui fait autant de résistance? Qu'est-ce que j'ai fait de mon petit ciseau? Incroyable, hein? Ah, c'est pour que ça dure encore plus longtemps avec vous, vous voyez. Qu'est-ce? Il veut vraiment pas celui-là. Je sais pas ce que j'ai fait de petits ciseaux. Bon, mais on va l'ouvrir doucement. Là, c'est vraiment la découverte parce que je ne sais pas du tout ce que c'est. Alors, du tout, du tout. Ah là 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 là. Mais quelle merveille de l'eau de Lourdes. Je m'attendais pas à ça. Je sais pas si... Non, on n'en avait pas parlé parce que j'adore l'eau de Lourdes. Et pour moi, ça représente beaucoup, beaucoup l'eau de Lourdes. Oh, pétard, j'avais pas vu. Avec l'encens, Notre-Dame de Lourdes. Si je vous mets trop près, c'est flou, je crois. Donc, c'est pour ça que... Voilà. L'encens, la résine de Notre-Dame de Lourdes. Je vais repleurer. Non, mais c'est grave. Hein. Aujourd'hui, j'ai besoin d'évacuer, je crois, hein, les amis. C'est... En fait, c'est ma guérisseuse, je crois, Sylvie. Je te jure, t'es ma guérisseuse. Du Paolo Santo. Palo Santo, que j'aime beaucoup aussi. Allez, on va ouvrir ça. Je pense à un taxi. Hein. Alors, je suis nulle en anglais. Hein. Je ne m'en voulais pas. C'est vraiment nulle en plus. Hein. Un tapis pour faire vos guidances. C'est juste magnifique. Voilà. C'est... Alors, je sais pas si c'est bleu ou noir parce que du coup, j'ai que la lumière bleu marine. Hein, j'ai l'impression. Bleu nuit. Ouais, bleu nuit. Avec tous les bords satinés gris. Des petits pompons pour les coins. Mais il est immense, hein, le truc. Bon, je peux pas vous l'ouvrir là, mais... C'est simple, je crois que la taille, 1,20 m sur 80. Donc si vous cherchez un tapis qui recouvre pas mal de surface, hein, à tous mes amis qui font de la cartomancie, de la médiumnité ou autre, eh ben, allez voir sur la boutique. Alors, où je vais te mettre? Bon, je le mets là, parce qu'on n'a pas fini, et non, et non. Quand il y en a plus, il y en a encore. Bon, on arrive à la fin, mais pas encore. Si ce moment pouvait durer toute ma vie, je crois que je pourrais ouvrir toute la journée. Quoique, j'ai envie d'expérimenter tout ça. La vidéo va être un peu longue, hein. Je suis désolée, mais je suis sûre qu'il y en a qui adorent, comme moi, visualiser tout ça.
Alors, une magnifique trousse. Regardez-moi ça. Elle est pas trop belle. Il y a une petite poche. Là. Et ici, j'ouvre et je découvre quoi? Encore plein de trucs. La rose. Donc le petit pochon assorti à la trousse. Très naturel. Hein, d'accord. C'est, je sais pas, du coton, la jute, je sais pas. Et des pétales de rose. Et pas n'importe quel pétale de rose. Parce que si des fois on en commande qui sentent pas la rose, hein, excusez-moi, mais c'est le mot. Là, j'aimerais juste vous faire sentir pour qu'on comprenne bien ce que c'est l'odeur de la rose, quoi, tellement. C'est... Elle a que des très bons produits. Que des très bons produits. Je soupçonne de la bougie. Et je soupçonne même une bougie que je voulais avoir ces derniers temps. On va voir si je me trompe ou pas à la cire d'abeille. Peut-être que je me trompe. Une bougie rose. Et elle a bien préparé Lita quand même. Hein. Est-ce que tu serais en train de me faire passer un message aussi, Sylvie? Tu veux que je fasse quoi? Une cérémonie pour trouver l'amour peut-être? Les roses, la bougie rose. Peut-être. Tu sais. Et voilà. Une bougie à la cire d'abeille. Je suis désolée, j'ai fait bouger un petit peu la caméra. Regardez-moi ça. Artisanal. Hein. Regardez les couches. Vous voyez, c'est une bougie qui a été roulée. Alors, je ne vais pas l'ouvrir parce que c'est très fragile, mais vous voyez, ça a été roulé. C'est pas une bougie pleine comme d'habitude. Vous voyez? Alors, je fais des places. Des petites bougies. Sylvie, aurais-tu dévalisé ta boutique pour remplir mon bureau? Pour remplir mon cœur surtout, parce que là, c'est mon cœur que tu es en train de remplir, hein, je te le dis. Là. Petite veilleuse qui va bien, qui sera pour les grandes occasions. Une autre veilleuse. Bing, bing, bing. Ça a tapé contre quoi que ça a fait du bruit? Vous avez entendu, ça a fait le bruit d'une clochette, à part qu'il n'y a pas de clochette. Bon. Un petit signe peut-être. Alors, pochette violette. Est-ce que ça a un lien? Des fois non. Hein. Parce que des fois, il n'y a pas de couleur vraiment. Ou les pochettes n'existent pas aussi selon les couleurs. Moi, je porte beaucoup d'attention aussi sur tout ça. Oh, du quartz rose. Vous voyez les petits quartz? Je vais pouvoir en faire des belles choses. Du quartz vert. Et de l'améthyste. Je voulais essayer de créer une bougie et je pense que
oui, il y en a encore un dans la trousse magique. Alors sachez, parce que je suis sûre que les écolos, là, vous êtes en train de me dire, oh là là, mais que de papier, que de papier. Je recycle. Je recycle, c'est-à-dire que je me sers des fois des emballages pour envoyer des colis. Je ne mets pas tout comme ça à la poubelle, si ça vous chagrine. Non, non, c'est réutilisé encore. Alors, là, je mets quand même quelqu'un au défi hein, de trouver quelqu'un qui emballe comme ça. Franchement, je vous mets au défi. Non, c'est pas vrai parce que j'ai des créateurs d'oracles qui sont très précautionneux. D'ailleurs, je pense que vous allez avoir des surprises peut-être dans les jours à venir. Mais alors là, plus que là, je sais pas. Des surprises, des surprises, des surprises. J'aime partager ces moments-là avec vous. Alors peut-être que vous non, hein, mais moi oui. Hein. Je sais pas. Du sel de l'Himalaya, purificateur d'air naturel dans un récipient près d'une source de chaleur. Tu peux le mettre par exemple à côté d'une bougie, elle dit, d'accord. Donc vous le mettez près d'une source de chaleur et dans un récipient. Hein, parce que sinon ça fond, d'accord hein, c'est du sel. Donc... je vais vous en montrer un. Hop. En fait, c'est comme j'ai la lampe ici. D'accord? Voilà. Et c'est du vrai, hein? Parce que on le sent à la texture. Allez. Il y en a quatre. Alors, on est OK pour la trousse qui va me resservir. Ça, c'est une évidence parce qu'elle est magnifique. Alors là, les enfants, bâton, regardez-moi tout ça. Alors, et c'est que des ensembles que je ne connais pas, sauf un ou deux peut-être. En tout cas, je ne connais pas du tout cette marque. Donc... c'est très bien parce que moi je découvre et après je vous fais découvrir, du coup c'est sympa. Ayurvédique, l'ambre. Est-ce que vous connaissez? Si vous connaissez, mettez-moi en commentaire. Et d'ailleurs, mettez-moi en commentaire ce que vous avez préféré, ce que vous avez aimé. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous ferait envie dans tout ça? Du Nagchampa, de la marque Ayurvédique aussi. Alors... qu'est-ce que je peux... c'est écrit en anglais. C'est des ingrédients naturels. Voilà, c'est ça que je voulais savoir, en fait. C'est le principal. C'est fabriqué en Inde et c'est naturel. Très, très beau. Là, on en a un sur la relaxation. Les boîtes sont très belles. Par exemple, vous voulez offrir un cadeau à quelqu'un qui aime beaucoup l'encens, les bougies, tout ça. Je trouve que c'est très joli. C'est hyper présent comparé à... je vais vous montrer celui de... et où par exemple, il y en a... ça, c'était des encens que j'ai achetés de base. Alors, le Spiritual Guide, que j'aime bien aussi. Mais vous voyez, quand même, quand vous voulez faire un petit paquet, hein,
Voilà, c'est quand même différent. Ah, j'ai pas parlé de celui-là, pardon. Les chakras. Travailler sur vos chakras. Ah ben celui-là, vous le connaissez, c'est celui dont je vous parle très souvent. Donc, Palo Santo et Sauge Blanche. Et le Copal Mira, que vous connaissez aussi, pour ceux qui regardent mes vidéos. Bon, le dernier, j'ai pas envie que ça s'arrête. Ah ben, il est là, mon ciseau, tout dessous, vous voyez. J'ai pas envie que ça s'arrête, Sylvie. On refait. Je referme tout et on refait. Vraiment, tu m'as mis du baume au cœur, tu m'as mis de la joie, tu m'as mis du plaisir, tu m'as mis tout ça dans mon cœur aujourd'hui. Et je te dis, je pense que tu es un petit ange parce que j'ai demandé tout à l'heure, justement, suite à cette matinée un petit peu compliquée que j'ai traversée pour un souci perso compliqué qui dure depuis des années. Et j'ai dit, faites-moi un signe qu'il y a quand même quelque chose de sympa dans cette vie. Hein. Et tu es arrivé, le colis est arrivé. En fait, je suis allée chercher mes chiens, du coup, qui étaient restés chez ma mère pour que je puisse aller à mon rendez-vous avec ma fille. Et là, quand je suis revenue chercher mes chiens, en fait, ma mère me dit, regarde le gros colis que tu as reçu. Et là, je me suis dit, merci, quoi. Voilà, mon signe, c'était toi. Je vais repleurer. Non, 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 non. Ouh. Allez, l'oracle des esprits protecteurs. Qui va envoyer du lourd, à mon avis, celui-là. Je ne sais pas pourquoi, mais après, moi, j'ai beaucoup de liens avec tout ce qui est chamanique, hein, donc il me parle beaucoup, déjà, rien qu'à le regarder. Ouais. Ouais, il m'envoie très loin, d'ailleurs, même. Donc, à découvrir, parce que du coup, ben, vous aurez deux reviews que je pense pas faire aujourd'hui. Je vous en garde un peu pour demain. Une par jour peut-être, donc avec ces deux beaux oracles. Et puis voilà, j'ai rien oublié. Non, ça va. Bon, vous avez vu mon sapin de Noël, mon petit ange. Ben, c'est la boutique Mathès, c'est mon petit ange gardien. Voilà, donc encore mille merci à toi, mille merci pour ta confiance. Parce que j'ai beaucoup de chance de t'avoir en partenaire, Sylvie. J'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance d'avoir découvert ta boutique. J'ai beaucoup de chance d'avoir rencontré une belle personne comme toi. Et voilà. Mais n'hésite pas. N'hésite pas, ne serait-ce besoin de parler ou besoin... je sais pas, quelque chose que je peux faire pour toi, pas de souci. Voilà, ben écoutez, donc je vous savais, ça fera comme pour les encens, je vous mettrai un petit peu tous les jours quelque chose. Un jour j'allumerai la sauge blanche avec le foin d'odeur, un jour le palo santo, je vous découvrirai. Alors il n'y a que mes petites veilleuses que je vais garder précieusement pour moi. Je vous en reparlerai peut-être, mais... parce que je vais les garder pour mes petits rituels perso. Parce que c'est des bougies qui viennent du cœur. Et du coup, voilà. Et mon eau de Lourdes aussi. Que je vais garder précieusement. Enfin, je vais tout garder de toute manière, c'est tout. C'est à moi. C'est mon bébé. Donc, voilà. Bon, allez. J'arrête de vous embêter, la vidéo est assez longue pour vous, je pense. En tout cas, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez envie de découvrir le plus vite. Si c'est les encens, si vous voulez que je vous donne des retours sur les encens. Si vous avez envie de découvrir le plus vite un oracle ou l'autre oracle. Dites-moi si vous aussi vous avez un bracelet.
pour les chakras. Partagez avec moi, allez, on fait vivre la chaîne là. Et surtout, surtout, si vous avez besoin de quelque chose, de bougies, d'ensemble, de pendules, de petits coffres magiques comme j'avais reçu. Il est là. Si vous avez besoin d'un grimoire, vous savez, je vous le remontre pas, il est là. Alors lui, je le garde précieusement parce qu'il va me servir pour écrire mes formations, je pense. Je pense que ça va être mon bébé. Je sais pas où. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, je l'ai peut-être rangé quelque part. Pas la clé. Il doit être dans ma chambre. Je le garde, je pense, en fait, je le garde pour quelque chose de très important, ce grimoire, parce que vraiment, il a une valeur sentimentale pour moi énorme. Et du coup, je veux vraiment écrire des choses à l'intérieur qui seront très précieuses à mon cœur. Voilà. Et comme ce petit cahier, comme tout ici. Tout, 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 tout. Et si j'arrive à faire ma bougie, avec mes petits cristaux, mais voilà, je vous la montrerai. Je suis pas sûre que je la réussisse du premier coup, mais en tout cas, si je la réussis, je vous la montre. Enfin, même si je ne la réussis pas, d'abord je vous montrerai, je m'en fous, je n'ai pas honte. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Partagez s'il vous plaît, mettez-moi vos avis, mettez-moi si vous avez envie de découvrir cette boutique. N'oubliez pas, le code promo, il sera en dessous. Vous cliquez sur la petite flèche à droite et dessous, il y aura le code promo de la boutique Mathès avec le site, c'est sur Etsy. La boutique, elle est sur Etsy, Mathès, ça s'appelle. Donc, n'hésitez pas. Vraiment, vous ne serez pas déçus, je vous promets. Je ne serai pas étonnée que vous soyez surpris même. Mais bon, j'en dirai pas plus. Je n'en dirai pas plus. Je vous fais des gros bisous et à très très vite. Et merci d'avoir été là pour ce fabuleux moment, en tout cas avec moi. Et merci Sylvie. Je t'aime fort.